Alors là, comme vous le voyez, je suis
passer mon dimanche, faire des cartons.
La boulangère est passée à 8h15. Nous commençons à déjeuner car après nous partons sans nous rendre compte que nous allons rentrer vers plus de 15h. Alors, moi je déjeune parce que je fais un petit peu attention. Donc le matin quand je me lève, j'ai la dalle. Et le facteur est passé. Je pense.
prochaine, j'en aurai un peu marre. La vérité, quand c'est parti depuis 10 heures, j'ai été déposer le step que Steph a vendu. Voilà, coucou. Toujours avec mon polo barbarien, tranquillou. Et après, on est rentré. Parce qu'en fait, avant d'aller en course, on a oublié les cagettes. Sachant que nous allons à Colruyt. À Colruyt. Et voilà, c'est moi. Et après, bon, c'est tout. On est rentré. On n'est plus sorti du tout. Parce que bon, on l'avait un peu marre. Donc, on s'est posé. Voilà, toujours les cagettes. On s'est posé. Et puis voilà, moi, j'ai fait.
Machine.
Tournage.
Ce style de bière, ça m'intéresse.
m'intéresse bien. Mais à 4 € la petite canette, franchement, c'est assez abusé. Assez. Ouais, même 7 €, tu vois. Et voilà, après, bon, on est rentré. Ah non, on a été chercher le cadeau pour mon beau-frère qui fête ses 40 ans. Alors, c'est une super boutique. Ça s'appelle Size King ou West King Size Factory à Kitchin. Ils font de la marque de grand luxe. Et puis on a fait une carte cadeau pour qu'ils puissent s'habiller quoi. Ils veulent s'acheter une veste, je pense. Et après on était arrivé. C'est un chocolatier. Voilà. Chocolatier assez gros au niveau effectif quoi. Donc c'est plutôt bien, c'est assez cher, mais bon c'est Noël, tout le monde en profite. J'adore, c'est trop joli. Et les chocolats d'ailleurs sont même très très bons. Voilà, tu peux voir, ça donne vraiment envie de tout acheter. Mais on est comme tout le monde, on a des budgets pas limités quoi. On boit des Noëls à 500 € hors de question. Et on s'en est tiré, voilà, pour avec quelques paquets pour nous. Et voilà, le midi, j'ai fini les restes. Faudès. Ah non, ça c'est boule de poil. Moi je l'entends des surnoms là con, Faudès. Ouais, c'est marrant. Parce qu'en fait il me fait toujours peur. Et il monte partout. Du coup je crie que Faudès à chaque fois. C'est con ce que je raconte, mais voilà. Oh, il boule de poil. Voilà. Il boule de poil. Je l'adore. Et bon, finir de manger et tout. Hein, vraiment, le samedi c'est tranquillou. On profite. Oh là là, j'ai donné envie. Oh purée. Maintenant, ça m'a donné envie de remanger ça pendant le lieu. C'est dingue. Du poulet grillé. Miam miam. Et dans l'après-midi, on a fait le. Enfin, j'ai continué du moins le sapin. J'ai rajouté des boules parce que des guirlandes de pain, ça faisait pas beau. Il n'y en avait pas assez quoi. Donc, on a rajouté des trucs que j'ai été chercher chez mes beaux-parents. Et puis, voilà quoi. On a égayé un petit peu la chose. Et puis, on a fait le sapin tranquillou, en plein après-midi. On s'est reposé un petit peu. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà un petit peu, tu vois. Par contre, on n'a pas d'étoile pour mettre au-dessus. L'étoile des rois mages. Je sais pas si vous connaissez l'histoire. Moi, je la connais par cœur. C'est normal, je suis catholique. Chrétien. Donc voilà. J'ai mis les guirlandes. Alors je pense qu'à la fin du vlog j'ai fait un essai, je pense du moins. Et ça a l'air assez joli quand même. J'ai branché ça sur une prise Alexa. Et il n'y a plus qu'à dire allume-toi et puis voilà. Et puis voilà, j'ai mis la crèche aussi. Voilà, tout joli, j'adore la crèche. On a racheté des santons sur Vinted. Franchement c'est vraiment pas cher, on a eu 5-6 santons pour... 2 €, voilà, et puis voilà comment ça se passe, hein, du mieux que on peut faire. Et puis dans l'après-midi, j'ai emballé les cadeaux, ça c'est pour mes parents. Il y a plein de produits du Nord-Pas-de-Calais, du Nord, de Dijon, excuse-moi, de la Bourgogne, il y a des nonnettes, du vin, de la moussinette, de truffes, enfin vraiment plein de bonnes choses, de bons produits de ma nouvelle région. Voilà un peu ce que ça donne avec une bonne bouteille de vin pour mon papa. De l'huile vierge à la truffe, c'est excellent. Et pour mes beaux-parents, pareil, un peu différent. Dans l'après-midi, un petit café, tranquille. On se met bien. En général, je fais un peu une sieste quand même. Et puis voilà. Et au soir, on est parti au marché de Noël à Genlis. On est retourné, mais là... plus le soir, c'est quand même plus gai, ça fait plus vraiment effet de Noël, quoi. Voilà, comme tu peux voir, oh, il y a Papa Noël dans le coin, coucou. Il n'a pas voulu faire une photo avec moi. Non, je plaisante. Allez, petit souvenir, chilling, c'est la fête. Voilà, non, je déconne. Et puis, au soir, on a mangé un poulet braisé, un pokéball, c'est... Il y a de la salade, il y a des frites, il y a de la sauce, il y a un
peu de fromage et franchement, je me suis pété le bide. Franchement, c'était très bon. Donc voilà un petit peu pour cette soirée. Bah, écoute, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis à très vite avec ces dernières séquences dans un nouveau vlog qui, j'espère, va te plaire. Je te fais 1000 gros bisous. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye, à bientôt. Bye bye, bye bye, bye bye. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça y est, je suis en vacances. Alors là, en fait, mes parents venaient de partir. Et j'avais l'intention d'en faire justement une petite vidéo. Donc en même temps, je suis rentré, j'ai pris ma commande et tout. Et j'ai tourné. Mais en fait, il y a eu comme un souci. Voilà, je suis rentré. Et en fait, il y a eu un souci. Je sais pas.
lapin sur mon studio. Après, les chats viennent encore une fois chercher à manger. Et ben non, tiens, fuck. Non, je rigole. Je fais ça, mais c'est pour la vidéo, sinon c'est pas vrai. Et ensuite, je te montre vite fait avant de repartir les produits que j'ai achetés. C'est une box de chez H-Zone. J'achète des produits souvent et quand tu vois que 30 euros des fois t'as un lot complet à la place de juste de l'huile, c'est chiant quoi. Donc voilà, de toute façon je te ferai une vidéo spécialement sur la box, ne t'inquiète pas. Et dans l'après-midi j'ai été chercher le reste des courses pour le réveillon du 24 pour la Noël. Super U, mais j'avais même pas le code, alors voilà, j'avais l'air d'un con, mais c'est pas grave. Donc j'ai attendu, et puis après bien évidemment comme il était mercredi, la vanoise était là, donc directement voilà, j'ai tapé le saucisson et le jambon cru. Sert du bon jambon pour une vidéo. Voilà. Et après, bon, bah, je suis rentré. J'ai bataillé avec le congélateur, comme tu pourras voir, parce que bah, il faut tout faire rentrer. C'est assez galère, je t'avoue. Voilà, ça rentre même pas en fait. C'est un Rubik's Cube, un Pulse, un truc comme ça. Bref, pour ranger les courses, parce qu'on en prend. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a plus de place, malheureusement. Voilà, ça c'est bah, le frigo, il est plein, le congélateur, il est plein. Et maintenant, bah, il faut vider quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à manger à 24. Je plaisante. Entre temps, j'ai fait du montage parce que je n'ai plus aucune vidéo en stock. En même temps, petit café, petit somme. Parce qu'il faut aussi se rappeler que c'est mes vacances, quoi. Hein, donc voilà. Et après, j'ai été au médecin, j'avais pris rendez-vous la veille. Car j'en cours ça maintenant depuis presque une semaine. Voilà, un jour près, ça fait une semaine que j'ai la greffe. Donc j'ai un nouveau médecin qui s'est installé. C'est venu mon médecin traitant. Et puis, franchement, elle est bien. Et elle m'a donné ça. L'hélocytine, ouais, un truc comme ça, c'est vachement bon, la vérité. J'ai trop adoré. Et puis voilà, quelques autres trucs entre temps. Bon ben, c'était fait rentrer quoi. Bien évidemment, elle a parlé avec ses plantes, elle a donné à boire à ses plantes. Je plaisante, je rigole, je l'embête tout le temps, la vérité. Mais bon, moi, c'est comme ça que j'aime les gens, je les embête. Bah voilà, là, tranquille, la soirée se passe. Moi je fais du montage, je m'amuse quoi. Je fais du rangement et puis au soir, voilà, on a mangé des croque-monsieur et